content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Aujourd'hui, on va direction Garéoul, un petit village du centre Var. On va y rejoindre Marc qui va nous présenter une traction BL légère de 1950. Je vous souhaite à tous un excellent reportage. Content de te recevoir pour Passion Autosport du Var, le MAG. La fameuse traction que je vous parlais, donc Marc va nous détailler un peu l'origine, l'année, enfin tous les détails et l'univers de la traction. Je te laisse la parole. Alors bon, je suis nouveau dans la matière, si je puis dire. Alors c'est un modèle que je... pas spécialement ça. Je cherchais plus gros, mais bon, je suis tombé là-dessus. C'était un rêve d'enfant et je suis allé la chercher dans la Sarthe. Voilà, donc... C'est un modèle, une 11 légère, BL. Sa puissance, elle fait 1911 cm3. Puissance fiscale, donc puissance réelle plutôt, donc 53 chevaux. 11 chevaux fiscaux. D'accord. Bien entendu. Son année ? 1950. Donc vraiment, c'est pas les premières générations de traction, absolument, il y en a eu un peu avant. Voilà, il y en a eu même avant-guerre. D'accord. Bien avant-guerre, il y en a eu aussi en 1937, je crois que ça a été commencé. D'accord. Son état entièrement d'origine ? Voilà. Elle a été reconditionnée à l'origine. Voilà, faites du moins le plus proche. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. La caisse et tout, c'est tout d'origine, tout sablé, retraité, repeint. Et toute la mécanique a été refaite. À l'origine aussi, avec des pièces. Pas d'époque, mais des pièces d'origine. D'accord. Au niveau mécanique, c'est pareil. Est-ce que toi, quand tu as acheté ce véhicule, est-ce qu'il y a eu de la restauration faite dessus ? Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bidouillage. Elle a été refaite à l'origine, au niveau mécanique aussi. Bon, moi, j'ai modifié, j'ai monté un allumeur à dépression que je ne me souviens pas. J'ai remonté un embrayage d'origine. Les vitesses, ça ne se passe pas comme une voiture normale. Il faut prendre grand soin de les passer. Voilà, vous voyez, ça craque. Donc il y a un petit coup à prendre, on touche un peu la marche arrière, hop, et ça passe. Aussitôt lancé, légèrement, on passe à la deuxième pour éviter qu'elle craque. Et ça passe. Il n'y avait pas de synchro à l'époque sur ces boîtes ? Si, la deuxième, troisième synchronisée. Voilà, nous allons prendre sur la gauche. Bien entendu, les clignotants, c'est un petit appareil ici qu'on ne voit pratiquement pas.
Le confort est excellent parce que bon, c'est monté quand même, les sièges sont anciennes. Comment dire? Ce sont des sièges en ressort, pas en mousse, donc l'élasticité elle reste. Donc, et un intérieur entièrement d'origine. Un entièrement d'origine à part la pression d'huile qui est ici, qui indique 4 bars, et la température d'eau. Alors la particularité, c'est qu'au niveau de la température d'eau, il n'y a pas de thermostat sur le circuit. Ce qui fait que quand il fait froid, ben, la température ne monte pas, et quand il fait chaud, la température monte. On tourne en moyenne à 70 degrés à peu près. Est-ce que tu pourrais nous donner une vitesse maximale pour cette motorisation? Elles sont faites pour tourner aux environs de 115-120 km/h. Mais donc pour le plaisir, on roule à peu près à 90. Ça ne sert à rien d'aller plus vite, c'est ni plus ni moins que pour le plaisir. Là, nous allons faire un petit peu de route. Donc on va un peu accélérer. Les freins, bien entendu, c'est à tambour. Les commandes hydrauliques quand même. Normalement ça devrait craquer. Voilà, c'est fait. Et là c'est la troisième. Et là nous montons progressivement en vitesse. Sans trop la forcer quand même, on la laisse aller. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des moteurs qui sont là. Elles de leur puissance. C'est que du plaisir. Alors comme dans tous les reportages Passion Autosport du Var, je vais avoir le plaisir de conduire une traction. Donc eh ben, on y va. Alors c'est une grande première. Je vais vous dire un peu la sensation et le ressenti que j'ai. Au premier abord, une voiture très très agréable. On va tenter la deuxième. Hop. Ça passe tout seul. C'est génial. C'est un rêve de gosse, Marc, là. Ah, tout à fait. C'est un plaisir. Comme je le disais déjà, c'est comme une maîtresse. Alors, une voiture avec un gabarit qui est vachement gros, quand même. Donc, faut pas se planter dessus. Donc, alors là, est-ce qu'il faut repasser en première pour un truc comme non. ça ou pas, y a pas Non, non, pas du tout. Il y a assez de puissance. Une direction assez ferme. Hop. Faut avoir quand même l'habitude du gabarit. Elle a des ailes vachement larges, un capot très long. On va tenter de passer la troisième. Elle passera sans problème. Donc on va y aller mollo. Hop. Elle passe très bien. Un pur plaisir. Donc je pense que dans Passion Autosport du Var, je vais encore faire des jaloux comme sur l'essai de la Porsche 911 qu'on a fait la dernière fois. Sur cette voiture, à quoi sert cette pièce métallique? Alors, Cerro Bridel, suivant les dires des anciens, servait ni plus ni moins, comme à l'époque, bon, il y avait beaucoup de chemins terreux, à s'essuyer les pieds, se gratter la terre sous les semelles, avant de rentrer dans la voiture. Donc, ils avaient déjà à l'époque un goût de luxe, et ils savaient entretenir leur voiture, et c'était des passionnés, comme aujourd'hui quelqu'un comme Marc. Voilà, tout à fait. Et ben, en tout cas, Marc, je te remercie vraiment
de nous avoir présenté cette belle traction BL pour le Passion Autosport du Var Le Mail. C'était un grand, grand plaisir de me la faire conduire. Et puis, on retrouvera Marc dans les événements, les sorties, notamment l'expo du 1er mai où il sera présent avec la MMR, sûrement inscrit au concours d'élégance également. Donc, il faut savoir que l'année dernière, il avait remporté une coupe. Oui, tout à fait. Et cette année, il mise le premier prix. Merci à toi, Marc. Sur cette belle traction, merci à Marc de s'être prêté au jeu pour Passion Autosport du Var. Moi, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, soyez prudents. Celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. On se retrouve l'année prochaine pour beaucoup d'autres projets, beaucoup de reportages, des événements. N'oubliez pas l'exposition du 1er mai 2016, donc qui aura lieu à Cannes-la-Source. C'est plus de 300 véhicules de collection qui seront présents sur le parking face au bar. Je vous retrouve donc avec encore plus d'envie pour 2016. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis sur toute l'actualité de notre page Facebook Passion Autosport du Var. Ciao, ciao, à bientôt.